بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم سر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. Louange à Allah, le seul maître du monde, le créateur des cieux, le créateur de la terre. Les cieux et la terre lui appartiennent. Il est omniprésent. Il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de lui, qui possède les plus beaux noms et les sublimes attributs. Il fait ce qui lui plaît et juge comme il le veut. Allah, maître de la royauté, il rehausse celui qui veut et il rabaisse celui qui veut. Il donne la vie, il donne la mort, et rien ne lui échappe sur cette terre et ni dans les cieux. Allah, le Dieu seul unique sur cette terre, il est le premier que rien n'a précédé et il sera le dernier que rien ne suivra. Il est très généreux et toute subsistance provient de lui. Ses trésors remplissent le ciel et la terre. Ses trésors sont inépuisables. Il connaît le monde invisible et il connaît le monde visible. Il connaît ce qui est secret et il connaît ce qui n'est pas secret. Louange à Allah, le Créateur, le Seigneur de l'univers, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. Maître du jour de la résurrection, c'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul que nous implorons secours. Je témoigne qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, le seul à ne pas avoir d'associé. Il n'a pas de semblable ni de ressemblance.
Il n'a pas de comment il est, ni d'organes, ni d'images. Il a créé les endroits, mais il n'en a pas besoin. Il a créé le trône en tant que manifestation de sa toute-puissance, mais il ne l'a pas pris pour endroit pour lui-même. Il a créé des corps impalpables, comme les anges, les djinns, la lumière et l'air. Et il a créé les corps palpables, comme les êtres humains, la terre, les arbres et les pierres. La louange est donc à Allah, celui qui a créé la lumière. La louange est donc à Allah, celui qui a créé les cieux et la terre. La louange est donc à Allah, celui qui a créé les ténèbres et la lumière. Et je témoigne que notre bien-aimé, notre éminent, notre guide, notre cause de joie, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son esclave et son messager. Nous demandons qu'Allah l'élève davantage, sa famille ainsi que les compagnons. Mes sœurs, je vous salue avec la meilleure des salutations. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est une immense joie de vous voir ici parmi nous. Mes sœurs, aujourd'hui, c'est notre journée, c'est votre journée, c'est la journée de la femme. C'est une journée spécialement conçue pour valoriser la femme. Mes sœurs, il faut savoir, il fut un temps, la femme, elle n'était pas considérée. Il fut un temps quand l'islam est arrivé. Il est arrivé à une époque où la femme était dévalorisée. Elle était reniée. Elle était considérée comme un être spécialement conçu juste pour servir l'homme. Et un des bienfaits de l'islam, c'est qu'il a valorisé la femme. Il a valorisé la femme, il l'a élevée. Il a insisté sur le fait qu'elle est humaine, sur le fait qu'elle est digne d'être chargée d'une responsabilité et qu'elle est aussi capable de rentrer au paradis comme l'homme. Mes sœurs, la femme, c'est un mot que pour certains, elle n'a pas de valeur. Mais il faut savoir que la femme, elle a une valeur auprès d'Allah. Jusqu'à qu'il y a la sourate, la femme spécialement conçue pour la femme. Mes sœurs, il faut savoir que la femme et l'homme, ce sont deux branches d'un même arbre. Ce sont un frère et une sœur qui ont été enfantés par un même père, Adam, par une même mère, Hawa. Ils sont égaux dans leur origine, ils sont égaux dans la responsabilité et ils sont aussi égaux face au jugement. Les êtres humains, tous hommes et femmes, ont été créés par leur Seigneur à partir d'un seul être. Il a créé à partir de celui-ci son partenaire afin qu'ils se complètent mutuellement. Comme l'indique cet autre verset. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahida wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha. C'est lui qui vous a créé d'un seul être, dont il a créé, il a tiré son épouse pour qu'il trouve de la tranquillité auprès d'elle. Il a ensuite propagé à partir de ces mêmes familles de nombreux hommes et de nombreuses femmes, toutes des serviteurs d'un même Seigneur, tous fils du même père, tous fils d'une même mère. Chère sœur, sache tout d'abord que tu représentes la moitié de la communauté.
la moitié de toute l'humanité. Tu es une fille, tu es une épouse, tu es une mère, tu es une sœur, tu es une tante maternelle, tu es une tante paternelle, tu es aussi une petite fille et aussi être amenée à être une grand-mère. Ensuite, chère sœur, tu fais partie d'une immense communauté, la communauté de l'islam. Une communauté qui n'est égale à aucune autre communauté sur cette terre. Ma sœur, il faut savoir que cette communauté, cette femme-là, dans cette communauté, elle a engendré des hommes politiques, des savants, des personnes de grande personnalité. Mes sœurs, sachez aussi que tous les prophètes et tous les messagers, ils ont tous eu une mère, mais certains n'ont pas eu de père. Il n'y a aucun doute que ces précédentes femmes de cette communauté sont un élément essentiel pour l'islam. La femme a un rôle primordial dans la stabilité et le bien-être du foyer. Elle peut rendre la vie conjugale plus agréable et transformer le foyer en une demeure de paix. Grâce au comportement de la femme, envers son mari bien sûr, l'âme trouve la stabilité, la tranquillité et la paix. Et la vie, elle devient un plaisir au sein du foyer. Mais combien de femmes, il faut savoir, sont à l'origine du repentir de leur mari? Combien de femmes ont amené leur mari vers la religion? Combien de femmes? Elles sont nombreuses, très nombreuses. Grâce au comportement de la femme envers son mari, le foyer, il va trouver une stabilité. Si la femme n'a pas un bon comportement, pourtant c'est elle le pilier dans le foyer, le mari aussi n'aura pas un bon comportement et le foyer ne sera pas stable. C'est auprès de cette femme que l'homme peut trouver la sérénité et la quiétude. La femme qui a compris sa religion, qui la pratique quotidiennement et qui le partage cette religion avec son mari. Mes sœurs, si tu ne pratiques pas la religion, ton mari ne pratique pas la religion, comment allez-vous entendre? Comment allez-vous connaître vos droits? Comment allez-vous connaître vos devoirs? Comment allez-vous éduquer vos enfants? Comment allez-vous comprendre le rôle que vous avez au sein de cette communauté? Bien sûr, de se marier, mais il faut savoir pourquoi on se marie. Mes sœurs, il faut savoir, la voie conjugale que prône l'islam, c'est une empreinte de sérénité, de tendresse, d'attachement mutuel, car plus la famille est solide, et plus la communauté et sera unie et forte. En effet, la famille, c'est le support essentiel sur lequel on peut bâtir une société forte et équilibrée. Pour citer comme exemple, on va citer le mariage. Le mariage qui est l'un des premiers piliers pour bâtir une famille. Car celui-ci a un but, et c'est un but très noble et très élevé aux yeux de l'islam. Il permet aux époux de trouver la tranquillité, de l'affection, de la bonté et de perpétuer la vie et de se préserver des tentations sexuelles illicites. Le Coran nous donne une belle description de cette intimité. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Sourate Al-Baqarah verset 187. Pourquoi on a comparé ceci avec le vêtement? Car le vêtement, c'est ce qui est plus proche de l'être humain. C'est ce qu'on porte sur nous. On le porte pourquoi? On le porte pour... On porte pourquoi le vêtement? Pour faire joli? Pourquoi on porte un vêtement? Pour se couvrir, bien sûr. Donc, il faut savoir que justement, le mariage, il couvre plein de choses. Et c'est pour ça qu'on a fait de ce verset qu'on a dit que la femme est un vêtement pour vous et que l'homme est un vêtement aussi pour la femme.
parce que ça va nous couvrir. Il faut savoir que les deux époux doivent être liés par le cœur et leur âme, que chacun doit être pour l'autre un habit protégeant l'autre, pouvant nuire à leur honneur et leur intimité. C'est là le plus haut degré de l'amour et de la tendresse. Cependant, pour que cette harmonie dans le couple puisse se réaliser, Dieu a imposé des devoirs à chacun et leur a accordé des droits aussi. Comme ma sœur Marianne qui a prêché pour les hommes, elle a été l'avocate des hommes ou elle a été l'avocate des femmes? On va voir si vous avez bien écouté. Elle a été l'avocate des femmes. Mais moi aujourd'hui, je vais être l'avocate des hommes. Attention! Préparez-vous les femmes. Mes sœurs, les droits de l'homme sur sa femme est immense. Tellement immense que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il l'a immensifié dans ce hadith en disant: si je devais ordonner à quelqu'un de se prosterner devant autre qu'Allah, j'aurais ordonné à l'homme de se prosterner, j'aurais demandé à la femme de se prosterner devant son mari, tellement que les droits de mari est immense. Alors on va préparer attention, d'accord? Il faut savoir que le chemin du paradis se trouve où? Sur les pieds de son mari. Mais il faut savoir que le chemin du paradis est dans la soumission de son mari. Attention, quand on dit la soumission, c'est la soumission dans l'adoration, la soumission dans le bien. On parle de ce que Allah a autorisé, car on ne va pas se soumettre à son mari sur ce que Allah a rendu illicite. Mes sœurs, sache que la femme intelligente, c'est celle qui rend immense ce que Allah et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a rendu immense. C'est celle qui donne de la valeur à son mari, qui ne rabaisse pas son mari. Pourquoi on dit cela? C'est parce que c'est par rapport à un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit: alors, lorsque la femme, elle prie ses 5 prières, jeûne son mois du ramadan, préserve ses parties génitales, c'est-à-dire qu'elle ne commet pas l'adultère, elle obéit à son mari, il lui sera dit le jour de la résurrection, rentre par la porte de n'importe, au paradis par n'importe quelle porte. C'est très simple, bien frères et sœurs. La femme, les conditions pour rentrer au paradis, elles sont moins compliquées que les hommes. On a dit: 1. Elle prie ses 5 prières obligatoires. 2. Elle jeûne le mois du ramadan. 3. Elle préserve ses parties génitales, c'est-à-dire elle ne trompe pas son mari. 4. Elle obéit à son mari. C'est simple, non? C'est facile de rentrer au paradis. Non? Bon, on dirait que ça n'a pas l'air d'être clair. Bon, si vous voulez encore des clés pour rentrer au paradis, je vais vous dire les droits. Donc, pour cela, l'islam, il a imposé des devoirs pour l'homme et des devoirs pour la femme. Donc là, moi, je vais parler des droits de l'homme sur sa femme. Premièrement, premier devoir, attention, la femme doit s'embellir devant son mari et se faire belle pour lui et doit être souriante envers lui. Donc ça veut dire quoi? La femme, elle doit s'habiller, se maquiller, se parfumer, se maquiller, tout, devant son, pour son mari. Mais aujourd'hui, on en est où? Aujourd'hui, le mari rentre du travail, il voit sa femme avec, je n'ai même pas une espèce d'habit où elle a fait le ménage toute la journée avec. Elle a cuisiné, on le sent les oignons. Le mari fait demi-tour, il rentre chez lui. Il ne rentre même pas chez lui, il va au foyer où il va. Après on s'étonne, mon mari ne reste pas à la maison, mon mari il est toujours dehors. Mais il faut savoir, si un mari il est toujours à la maison, c'est qu'il y a quelque chose de bien à la maison. Si un mari il est toujours dehors, c'est qu'il y a quelque chose de mal à la maison. Tu t'habilles, tu te maquilles, à chaque fois que ton mari, dès qu'il va rentrer, il va avoir le coup de foudre. Déjà quand il s'est marié, il y a le coup de foudre. Bon, après avec les habitudes, les années, le coup de foudre il est parti. Mais une fois qu'il part du travail, il rentre, il voit sa femme qui est belle, parfumée et tout, le coup de foudre qui était parti, là, il va revenir direct. Mais toi tu viens, il ouvre la porte, assalamu alaikum. Tu es avec tes habits de bonne, tu as cuisiné, tu as tout fait avec l'enfant qui bave, qui tout. Non, pas comme ça. Tu te maquilles, tu fais tout, tu te parfumes, tout, tu t'embellis, tout. Même, de toute façon, en général, tu sais quand ton mari rentre du travail. Toi, tu sais, à partir du moment où il va rentrer du travail, tu te précipites, tac, 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 vite. Ou si tu ne sais pas quand il va venir, tu l'appelles chérie. Tu es où?
Bon, il y a des maris qui vont dire, pourquoi tu me demandes ça? Bon. Tu dis, non, bon, je te demande comme ça. C'est lui qui va te dire, ben, j'arrive, je suis sur le chemin. Là, tu t'apprêtes vite. Tu te maquilles, tu te laves vite. Il ne faut jamais se laisser en désordre devant son mari. Il ne faut jamais que ton mari, quand il rentre, il sente que tu sens une mauvaise odeur. Parce que ça va le recruter, ça va faire qu'il va, il va te laisser de côté. Lui, il va aller où il y a les bonnes odeurs. Non, jamais. Parfume-toi. Il y a tous les parfums de marque. Même si c'est pas en marque là, même si tu prends 2 euros un parfum, ça va te parfumer. Même si tu prends un parfum qui ne dure pas longtemps là, tu le mets quand il va arriver, dès qu'il a mis la porte, pip, je mets le parfum. Je sais qu'il va durer, quand il va sentir, il va sentir. D'accord, c'est pas que tu mets le parfum depuis le matin, après tu vas faire le ménage, le soir, bon, moi je me suis parfumé, je me suis déjà lavé, non. Donc, mais faire attention, c'est un droit ça aussi. Alors, sur sa femme. D'accord. Et aussi, il faut être souriant. Quand ton mari rentre, tu souris. Assalamu alaikum. Mais ton mari rentre, toi tu montes ton visage de l'ange de la mort. Il te dit assalamu alaikum, assalamu alaikum. Il y a à manger là-bas, si tu veux manger, c'est là-bas. Non, tu l'accueilles, tu le souris, comment tu vas, ta journée elle a été. Non, certaines avec le téléphone là. Oui, pour moi je suis au téléphone. Oui, la cuisine c'est là-bas, j'ai mis le truc, si tu veux chauffer, tu chauffes dans le micro-ondes. Si tu n'es pas content, tant pis. En tout cas, moi je dois sortir aussi. Non, tu l'accueilles, tu te demandes comment ça va, ta journée elle a été, tu as travaillé, qu'est-ce que tu as, tout. Tu le sers à manger, tu le souris. Mais le visage de l'ange de la mort, là, tu le laisses dehors. D'accord? Ça, c'est un droit aussi. D'accord? Deuxième droit. La femme doit rester chez elle, dans sa maison, et ne doit pas sortir sans autorisation. Ouh, il y en a qui vont dire sans autorisation. Aujourd'hui, c'est comment? Les femmes, est-ce qu'on demande l'autorisation à nos maris pour sortir? Ah oui, j'entends bien un oui. Mais j'ai entendu qu'un seul oui. Non, la femme, normalement, elle doit rester à la maison. Et quand elle veut sortir, elle demande autorisation à son mari. Bon, aujourd'hui, on est où? Je suis au téléphone avec ma copine. Oui, oui, à 14h, on se donne rendez-vous. Hein. Oui, d'accord, le mari, il est à côté, elle n'a même pas demandé l'autorisation. Elle-même, elle s'est autorisée. 14h, on se donne rendez-vous, il n'y a pas de problème. Tu ne demandes même pas à ton mari? Non. Avant de donner rendez-vous, ok, je te confirme. Tu demandes l'autorisation à ton mari. Si ton mari dit oui, tu sors. Si tu dis non, tu sors pas. Aujourd'hui, là, si le mari dit tu sors pas, c'est la bagarre. Moi, je vais sortir aujourd'hui. Hein. Tu es content ou tu es pas content, moi, je sors. C'est comme ça. On ne demande même pas. Bon, moi, je suis sorti. Hein. Ou bien le mari, on va dire, hein, comme d'habitude, les maris sont au travail. Il est au travail, il va rentrer. La femme, elle n'est pas à la maison. Il l'appelle, toi, tu es où? Ah, moi je suis dans un mariage, dans une salle de bain, on le met sous moi. Ah, d'accord. Et en plus de ça, elle va dormir là-bas. Elle rentre à 5h du matin, elle n'a même pas préparé à manger. Non. Avant d'aller dans un mariage ou quelque part, je demande à ton mari, est-ce que je peux y aller? Ça se trouve, il aura besoin de toi, il va te dire non. Ou bien il aura peut-être pas besoin de toi, même il va te dire non. Mais s'il te donne l'autorisation, tu y vas. Si tu n'as pas donné l'autorisation, tu n'y vas pas. Attention, c'est un droit. Aujourd'hui, beaucoup de femmes, c'est vrai, on ne demande pas. Non, parce qu'on se dit, oh, c'est se soumettre. Non, c'est pas se soumettre, c'est un droit de l'homme vers sa femme. Tu sais, tu vas rentrer au paradis là. Respecte ses droits, tu verras. Ensuite, troisième droit. Ça va être quoi? Tout le monde attend de dire qu'est-ce qu'elle sort. La femme, elle ne doit pas autoriser quelqu'un à rentrer dans la maison, même si c'est un membre de la famille. Ah bon? Oui, je vois le visage. Ah bon? Oui, oui, ah bon? C'est pas ton mari, il a voyagé ou ton mari, il est parti au travail, il rentre et il croit tout le monde, ça bavarde à la maison. Non. Quand quelqu'un veut venir à la maison, tu demandes l'autorisation à ton mari. Est-ce que telle foulette peut venir à la maison? Et toi, tu es assis au salon, tu es avec ton mari, tu parles avec ta copine et passe à la maison, hein? Passe à la maison! Ça se trouve, ton mari, il voulait être seul à la maison, il va être avec toi dans la maison, il voulait être tranquille à la maison, mais toi, il faut passer à la maison, oui. Il n'y a pas de problème, moi je suis là, je ne sors pas. Mais ton mari, il est là à côté de toi. Pourquoi tu ne lui demandes pas d'abord? Est-ce que tu sais, est-ce que lui, il veut que cette personne vienne à la maison? Non, 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 non. Tu demandes l'autorisation à ton mari, est-ce que tes fournettes, elles peuvent venir à la maison? Si tu dis oui, oui. Si tu dis non, non. Si tu as déjà donné rendez-vous à quelqu'un, toi-même, tu vas la rappeler, tu vas dire, bon, aujourd'hui, là, tu ne peux pas venir parce que j'ai des choses à faire. Non, c'est pas ça. Ton mari l'a refusé.
Donc, avant de donner rendez-vous à quelqu'un qui vient chez toi, demande l'autorisation à ton mari. Ensuite, quatrième droit. La femme ne doit pas jeûner le jeûne cérébrogatoire sans l'autorisation de son mari. Alors, attention, je parle du jeûne cérébrogatoire, je ne parle pas du jeûne du mois de Ramadan. Ça veut dire que si tu veux faire ton jeûne surérogatoire, il faut que tu demandes l'autorisation à ton mari. C'est pas tu te réveilles, moi j'ai jeûné. Non, je te demande d'avoir l'autorisation. Si ton mari il te dit oui, tu jeûnes, tu jeûnes. Mais si il te dit non, tu jeûnes pas. Mais il y en a aujourd'hui, le mari, toute la journée, il est content, il a préparé à manger, il prépare à manger, il pose sur la table. Ah, moi j'ai jeûné aujourd'hui. Hein. Tu as jeûné. Tu n'as même pas demandé l'autorisation. Non, on demande l'autorisation à son mari d'abord, avant de jeûner. Parce qu'il faut savoir que les actes, c'est les actes obligatoires. Avant les surérogatoires. Et respecter son mari, les droits de son mari, ce sont des actes obligatoires. Ils doivent passer avant le jeûne surérogatoire. Aujourd'hui, tu en as plein qui vont faire des jeûnes surérogatoires, des prières surérogatoires, qui vont lire le Coran, mais elles ne respectent pas leur mari. Elles ne leur donnent pas le droit au mari. Il faut savoir que tout ça, ça ne sert à rien. Si tu ne respectes pas les droits de ton mari et que tu fais tout cela, Allah ne va même pas prendre en considération ce que tu as fait. D'abord, respecte ton mari, les droits de ton mari et le reste, ça passe ensuite. Inch'Allah. Ensuite, cinquième droit. La femme ne doit pas rappeler à son mari les biens qu'elle aurait donnés sur la maison ou sur les enfants. Donc, je m'explique. Il y a un mois, le mari, il a eu des difficultés financières. Il n'a pas pu payer son loyer. Donc, la femme a décidé, bah, tiens, moi, je vais payer la moitié du loyer ou bien je vais faire les courses. Mais chaque jour, la femme va chanter ça dans les oreilles. Oui, moi, c'est moi le mois dernier qui a payé le loyer. Oui, moi, c'est moi le mois dernier qui a fait ça. Toi, t'as fait quoi? Toi, t'es même pas capable. Non. Ça, le bien que tu as fait, là, tu l'as effacé. Ce que tu as fait pour lui, dis-toi que tu l'as fait pour Allah. Parce que le mariage, c'est Allah qui l'a attaché. Donc, ce que tu as fait pour lui, tu l'as fait pour Allah. T'as pas besoin de chanter à tout le monde ou voir ta voisine, ta copine. Et mon mari, la dernière fois, il n'a même pas payé le loyer. C'est moi qui l'ai payé. Et le mari, il va demander quelque chose aujourd'hui, tu vas lui demander, prête-moi de l'argent. Non, j'ai pas l'argent. Ouais, le mois dernier, tu te rappelles pas, moi j'ai payé le loyer. Non. Tous les jours, tu vas chanter ça dans ses oreilles. Non, tu as fait un bien. Il faut savoir que si ce bien-là, tu le chantes à chaque fois, tu l'as effacé. Tu l'as effacé, c'est des hasanats en moins pour toi. Donc, il y a ça. Sixième droit, qui est quoi? Avoir des bonnes relations avec les parents du mari. C'est ce que la sœur a dit précédemment. Je dois respecter les beaux-parents. Il ne faut pas te dire que moi, ce n'est pas mes parents, c'est les parents de mon mari. Si je veux, je respecte. Si je veux, je ne respecte pas. Moi, ce qui est essentiel, c'est mon mari. Non, 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 non. Les beaux-pères, ta belle-mère et ton beau-père, il faut les considérer comme ta mère et ton père. Si tu n'as pas ça, c'est que tu ne respectes pas ton mari. Donc, tu te dois de les respecter. Tu te dois de demander des nouvelles de eux, de les appeler, de partir les voir, leur dire bonjour. Comme ce que tu vas faire à tes parents. Ce que tu fais à tes parents, tu leur fais. Mais il y en a aujourd'hui, moi c'est ma belle-mère. Ma belle-mère, on dirait que c'est quelque chose que, voilà. Non, c'est ta belle-mère, tu la respectes comme ta mère. D'accord? Septième droit. La femme ne doit pas se refuser lorsque son mari demande dans le lit. Ah ouais. C'est-à-dire que si le mari demande, la femme elle ne doit pas refuser. Parce qu'il faut savoir que tu rentres dans la colère d'Allah et les anges ils te maudissent. Attention, certains vont dire, ouais, mais moi quand je suis malade, il y a des cas exceptionnels, d'accord? Mais sinon, un jour comme ça, oh non, non, il te demande non, rien pour l'embêter, non, je veux pas. Non, il ne faut pas faire ça. C'est un des droits de l'homme aussi. Ensuite, huitième. La femme ne doit pas trahir les secrets de son mari, comme les secrets de la maison. Est-ce qu'on a compris ça? Ça veut dire que tout ce qui se passe dans la maison, ils ne doivent pas sortir à l'extérieur. Si par exemple, ton mari te dit un secret, ça reste entre vous. Ou bien si vous avez des problèmes, des petits problèmes, hein, je ne parle pas des grands problèmes, mais des petits problèmes, ça doit rester entre vous. Moi aujourd'hui, juste un petit problème là. Parce que mon mari l'a acheté du ketchup, je lui ai demandé de la mayonnaise, il m'a acheté du ketchup. Tout le quartier est au courant. Toute la famille est au courant. Non, les petits problèmes comme ça, ça reste dans
au sein du foyer, ce sont des secrets de la maison. Quoi qu'il en soit, quand on parle de secrets, c'est qu'ils soient dans l'intimité ou pas dans l'intimité, il y a plein de choses. Ou il y en a qui vont dire, mon mari quand il dort, il ronfle. Toi-même, tu ronfles, toi, tu vas lui dire que ton mari ronfle. C'est des trucs qu'on ne doit pas les dire à l'extérieur, ça reste dans la maison. D'accord? On l'a compris, les sœurs. Donc, en conclusion, ce que je vais dire, mes sœurs, tous ces droits sont des moyens que Allah Azawajal nous a donnés pour qu'on puisse vivre sereinement, pour qu'on puisse retrouver le bonheur dans nos couples et dans notre vie. Si la femme se comporte bien dans son couple, et que si l'homme aussi, c'est pas que la femme, et que l'homme aussi se comporte bien dans le couple, vous allez voir que le mariage, ce sera un mariage de bonheur. On vit des années, des années, des années dans le mariage. Il y a des habitudes qu'on garde. Ces habitudes-là, il faut les enlever. Ces habitudes-là, il faut les changer. Dès que tu vas connaître les droits de l'homme sur la femme, et que l'homme aussi va connaître les droits de la femme sur son mari, vous allez voir que votre couple, il n'aura pas mieux que vous allez trouver dehors. Aujourd'hui, les femmes se vont recouvrir de secret de femme, ceci, cela, on cherche ça. Non, avant de chercher le secret de femme à l'extérieur, cherchez le secret de femme à l'intérieur. C'est simple. Dès que vous allez connaître ces droits, que vous les appliquez, c'est des secrets, et ce sont des secrets que à l'extérieur, ils ne pourront pas vous donner. Vous avez beau acheter plein de choses qui sont au secret de femme, mais si tout cela ne marche pas, vos secrets de femme à l'extérieur, ça ne sert à rien, c'est zéro. Mes sœurs, la première chose qu'il faut savoir et qu'il faut revoir d'abord, c'est de ne pas oublier la principale pour laquelle Allah il nous a créés. Il nous a créés pour qu'on l'adore. N'est-ce pas? On est d'accord? Je l'ai créé les djinns et les hommes pour qu'ils... Pour qu'ils... D'accord. Si l'homme travaille pour cette fin et que la femme travaille aussi pour cette fin, qui est l'adoration d'Allah, beaucoup de choses vont changer dans la vie du couple. On se marie pour plaire à Allah. On a des enfants qu'on éduque pour plaire à Allah. Quoi que je fasse, on se dit, je fais ça pour plaire à Allah. Tu fais la cuisine, dis-toi que tu fais la cuisine pour ton mari, c'est pour plaire à Allah. Tu t'habilles, c'est pour plaire à Allah. Tu fais tout ce que tu fais dans la vie, que ce soit dans le couple, à l'extérieur, le travail et tout, dites-vous que vous faites ça pour plaire à Allah. Mettez cette sincérité. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne met pas ça dans notre cœur. On fait les choses, je le fais parce qu'il faut que je le fasse. On se réveille, je me réveille parce qu'il faut que je me réveille. Mais on se réveille, on ne sait même pas pourquoi on se réveille. Pourquoi on pense qu'on se réveille pour travailler toute la journée. Non, on a été créé pour qu'on adore Allah. Donc, quand vous vous levez chaque jour, alhamdoulilah, parce qu'il y en a qui vont dormir, qui ne vont pas se réveiller. Donc, quand vous savez que vous allez vous réveiller, alhamdoulilah, aujourd'hui, je suis réveillé. Allah m'a donné encore l'opportunité de vivre. Rattrapez-vous dans ce que vous avez perdu, le temps que vous avez perdu. Rattrapez-vous aussi dans votre couple. Je termine par une parole suivante. Le train de la vie parcourt un chemin qui est très court. Une soixantaine d'années pour la plupart des cas. Et ce chemin de la vie est construit par deux personnes, un homme et une femme. Le jugement du jour de la résurrection est très lourd. Très très lourd. C'est un jour qui durera 50 000 années. C'est un jour qui durera 50 000 années. Après ces 50 000 années, il y aura un paradis éternel. Il y aura un enfer éternel. Et c'est à chacun, de l'homme et de la femme, de faire son choix, de vivre pour l'islam dans la piété et de chercher la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce qui fera le bonheur et la paix. Et que nos générations futures seront la génération de bien qui répondront le bien de la lumière à laquelle nous a appelé le prophète. Sans cela, les problèmes ne feront qu'augmenter, les divorces ne feront qu'augmenter et les couples ne feront que se déchirer. Ceci est un rappel pour chacun d'entre nous. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار
النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى
ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. Sache que cet ordre t'est également destiné.